On n'est pas dans une salle de concert, mais bien au ministère des Affaires étrangères. Sur scène, Till et Felix Neumann qui forment le duo Zwei Apache. Comme leur nom l'indique, ils rappent dans les langues de Goethe et de Molière. Les frères jumeaux sont venus à Paris pour recevoir le prix De Gaulle-Adenauer pour leur chanson qui tourne autour de l'amitié franco-allemande. On mène déjà pas mal de projets, mais une telle récompense, une telle distinction, ça n'arrive pas tous les jours, c'est extraordinaire. On a vu les listes des lauréats, c'est fantastique. Donc bien sûr, c'est une poussée de motivation, même une petite obligation de poursuivre ce qu'on fait. Jeter des passerelles à travers les frontières. En plus de leurs concerts, Zwei Apache mène des projets de hip-hop interculturel dans des écoles et des centres culturels. Leur terrain de prédilection sont l'Alsace et le pays de Bade, mais ils sont aussi actifs au-delà. Pour eux, le meilleur vecteur pour parler de politique avec les jeunes, c'est la musique. Ils rappent dans une langue étrangère, c'est super compliqué, mais ils l'oublient parce qu'ils ont les beats, les rimes, la musique, etc. Et ça les pousse à aller très très loin, et pour nous on a vraiment l'idée que c'est un moyen magique et on l'applique le plus souvent possible et les réactions sont formidables. Le prix De Gaulle-Adenauer est doté de 10 000 euros. Zwei Apache veut prendre son temps pour réfléchir à quel projet cet argent pourra servir. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.